Alors, l'activité qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de trouver quels sont les deux mots qui permettent de former ce mot-ci. D'accord? Donc, par exemple, pour le mot chapeau, quelles images vais-je devoir poser ici? Quelle image doit-on avoir de ce côté pour former le mot chapeau? D'accord? Donc, chapeau, vous vous rappelez, c'est deux syllabes. Chapeau. D'accord? Donc là, il va nous falloir deux mots qui ont une syllabe chacun. D'accord? Donc chapeau, finalement, c'est chapeau. D'accord? Donc chapeau. Donc là, je vais sûrement avoir une image d'un chat et là une image d'un pot et ça fera le mot chapeau. Eh bien, on va vérifier. Et ben voilà, effectivement, c'était ça. Chapeau, ça donne le mot chapeau. D'accord? Donc en fait, on fait le même exercice que je vous avais proposé la semaine dernière, mais cette fois-ci, c'est l'inverse. D'accord? Alors maintenant, on va faire le suivant. Là, j'ai le mot citron. Citron, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner? Citron. Là, on va avoir le mot si, et là, on va avoir le mot tron, d'accord? Autrement dit, ces images-là, une scie et un tron. Citron, ça donne le mot citron, d'accord? Ensuite, on continue. Si je vous... Oups, que fais-je? Maintenant, si je vous parle du mot suivant. Donc là, on a le mot rideau. Donc rideau, ce sont les mots, finalement, ri et le mot dos. Ri, dos. Donc, les mots qu'on cherche, c'est les mots ri et les mots do. Ri et do. Et enfin, donc là, la dernière image, donc ça nous donne, enfin, on ne la voit pas très bien, donc c'est pinceau. Donc, pinceau, ça va être pin et seau. Donc, on va certainement avoir le mot pin et le mot seau. Et c'est le cas. Pinceau, ça donne le mot pinceau. D'accord?